Eh oui. Jeanne, les femmes vous ont écrit en vous disant, bon, bah, d'abord, elles se plaignaient que les cheveux poussent pas assez vite. Mais vrai. Quand ils repoussent, elles se plaignent qu'on voit les racines. Alors, décolorées, démasquées, soyez rassurés, Jeanne va prendre votre problème à la racine. Mais vous êtes tellement drôle. Ce sujet, en tout cas, est moins drôle, oui. C'est vous qui me l'avez demandé aujourd'hui, de vous trouver des solutions pour camoufler ces racines horribles. Alors, sujet tabou, je dois dire tout de même. Dans le public, qui a le cheveu coloré, mesdames? Oh, c'est bien, elles assument. Ah oui. Autour de cette table, qui a le cheveu coloré? Coloré ou décoloré? Oui, décoloré. Décoloré, voilà, il y a la décoloration, la coloration. Vous êtes coloré? Mais c'est juste pour amener des reflets supplémentaires. Ah, bon. Elle est géniale. Vous êtes une fausse rousse alors? Mais non, on ne casse pas le mythe de Caroline Ballet. Parce que même les stars ont des problèmes de racines, hein. Ce n'est pas que nous. Kristen Stewart. Ah oui, dis donc, alors elle te dirait, non mais c'est un tie and dye à l'envers, oui, pas du tout. Hein, tu n'es pas allée chez le coiffeur, louloute. Ensuite, il y a aussi Blake Lively. Sublime. Ah, on adore cette femme-là, elle est enceinte, elle est incroyablement belle. C'est vachement à la mode maintenant d'avoir des racines. Oui, alors, oui. Alors, il y a racines et racines. Les femmes assument parce que justement, on n'a pas trop le temps, donc on s'est dit, tiens, on va lancer cette mode de se dire que les racines, c'est la mode. Bref, en tout cas, toutes ces femmes ont un seul problème, c'est les repousses de ces racines qui nous pourrissent la vie. Regardez la solution, le crash test avec 3 produits. Pour toutes celles qui ont les cheveux colorés, qu'est-ce qui nous fait peur? C'est ça! La repousse des racines. Mais rassurez-vous, fini la peur. J'ai organisé aujourd'hui un crash test avec Marie, Nicole et Sarah. Elles vont tester un kit de repousse racines, un spray et de la poudre. Allez, on lance ce crash test repousse racines avec en number one Marie. Qu'est-ce qui s'est passé, Marie? Racontez-nous. Ouh là là, bah, y a de la repousse là. Bah écoutez, oui, alors ça fait 2 mois que je suis pas allée chez le coiffeur et là je pense qu'il faut agir très vite. Je vous ai choisi le kit racine. Alors celui-ci, c'est quoi sa promesse? C'est qu'entre 2 colorations, vous allez avoir quelque chose de naturel avec une coloration permanente en racine, donc il va rester assez longtemps, je dois dire à peu près 1 mois et demi, 2 mois sur votre cheveu. Mais vous allez voir, il y a toute une recette à faire. On commence. Alors, versez la crème colorante et l'émulsion révélatrice dans la barquette. Mélangez jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène. Oh là là, quelle précision. Et donc là, on va appliquer de l'intérieur vers l'extérieur sur vos racines, sur les repousses surtout. Donc bien partir du cuir chevelu à l'intérieur et tirer la matière. Moi, j'adore ce côté un peu artiste, un peu peintre, là, avec mon pinceau. Oh là 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 là, je m'amuse. Non, on s'amuse pas. On camoufle ses racines. Ça y est, Marie. 10 minutes maintenant, mais après, il faut rincer. Bon, ça fait 10 minutes de toute façon. Je vous la cache, je vous la cache. Le résultat, Marie, regardez-vous dans le miroir, qu'en pensez-vous? Alors, le résultat est très naturel et surtout, ça m'évite d'aller chez le coiffeur. Petit coup de cœur, parce que la promesse était d'avoir un fini naturel en seulement 10 minutes, de camoufler vos repousses racines, c'est exactement ce qui s'est passé, donc je suis émue, quoi, je veux dire. Le petit point négatif, effectivement, c'est qu'il y a une petite recette à faire, de trucs, de bidoubles, de mettre la serviette, de se laver les cheveux. Le rapport qualité-prix, il est juste parfait. Bon. On continue ce crash test qui, je suis sûre, vous passionne comme moi avec le spray. Mais surtout avec la sublime Sarah. Sarah, qu'est-ce qui s'est passé avec vos petites repousses là? J'étais en déplacement dans une contrée où il n'y avait pas vraiment de coiffeur, donc bah voilà. Ah bah voilà, voilà, ça voyage, ça voyage. Ah, oui. Hein, ça se néglige, mais c'est pas grave parce que j'ai la solution pour vous. Ce produit, c'est un spray. Un spray dont la promesse est la suivante, c'est-à-dire qu'il va effacer ces petites racines jusqu'à la démarcation et vous aider jusqu'au prochain shampoing. Bon, mais juste avant, on secoue. Maintenant, il est très important pour ce spray de l'utiliser à 10 cm de la racine. Voilà, vous faites 1, 2, 3 allers-retours et stop, stop, stop. Oh, c'est incroyable, mais attendez, attendez. On laisse poser 1 minute, il faut que le produit sèche maintenant. Ça y est, Sarah, votre avis maintenant, ça fait 1 minute, regardez-vous. Waouh, c'est génial, hein. Ça a effacé vos racines. Complètement, c'est un miracle, tout simplement. Je dois dire oui, effectivement, que la promesse est tenue. Les racines blanches ont disparu. En revanche, le point négatif, c'est que ça ne dure qu'un shampoing. Vous êtes un petit peu la Cendrillon des racines ce soir, hein. Une dernière chose, le rapport qualité-prix. Il est très intéressant. Salez-vous pour un résultat optimal. Alors, on finit avec Nicole qui, pour moi, représente le chic à la française.
le glamour, mais une erreur. Les racines. Qu'est-ce que s'est passé, Nicole, avec vos racines? Mais je n'ose pas le dire, Jeannanne. Je me suis laissée un petit peu aller. Ça arrive à tout le monde de se laisser aller, Nicole. C'est pas grave, mais c'est pour ça que vous êtes venue me voir. Parce qu'il y a peut-être cette poudre qui va répondre à sa promesse. La promesse de cette poudre, qui ressemble d'ailleurs à un fard à paupières, mais là, ça va être un fard à racines avec ses petits pinceaux, c'est que c'est une poudre à base de minéraux qui va répondre à différentes nuances de châtain qui vont venir s'installer autour de votre cheveu et être fixées pour camoufler le tout. Alors, vous prenez le pinceau qui est livré dans le boîtier, vous venez faire des petits allers-retours, prélever de poudre. On va venir étirer la poudre de la racine jusqu'à la démarcation. Ça va, Nicole? Ah, c'est bien, oui. Hein? Et voilà, ma belle Nicole, regardez-vous dans le miroir. Oh, mais c'est magnifique! On ne voit plus aucune démarcation. Oui, et en plus, c'est un travail très subtil, donc là, concrètement, la promesse est tenue, c'est-à-dire qu'on a atténué la repousse des racines blanches, on a camouflé vos racines, Nicole. Le point négatif, eh oui, il faut bien s'en parler hein, de cette histoire, ben, c'est l'argent. Rapport qualité-prix, il est cher, mais le résultat est optimal. Ce sera toi qui retouchera mes racines. Toi, petit kit, toi, c'est sur la longueur. Hein. T'es efficace, tu restes là un mois et demi. Oh, non, mais toi, le spray. Oh là, mais toi, tu m'as fait craquer pour ton efficacité, ta rapidité. Et toi, la poudre. Non, mais oh, ton côté maquillage. Non, mais franchement, ce crash test est hyper bien passé entre nous. Allez, je vous adopte tous les trois. Calinou, Calinou. Allez, faites Calinou. Oh là là, ils sont mignons. Et voilà. Bon, très bonne solution, assez efficace, ouais. Jeannanne. Mais je suis sûr que... Je vous connais, vous avez d'autres astuces dans votre sac. Oui, effectivement, là, c'est la tendance donc, de tous ces produits, solutions qui vont nous aider à camoufler en express ces racines qui repoussent. Mais il y a d'autres choses. Moi, j'aime bien détourner les produits. Parfois, vous avez donc des shampoings secs à la maison. Je ne sais pas si vous utilisez le shampoing sec. Jamais. Jamais. Et maintenant, il y a des shampoings secs colorés. Vous allez adapter votre shampoing sec. Au moins, c'est deux génial, en un. Ça. Vous avez aussi pour camoufler les racines et aussi pour avoir l'effet shampoing sec. Donc, un shampoing quand on ne se lave pas les cheveux. Mais ça, c'est une autre rubrique. Ensuite, vous avez aussi, j'ai vu dans la pièce de tête que vous aviez un petit bandeau années 60. C'est pas mal pour les racines. Et ben pour camoufler les racines, très bonne astuce de mettre un accessoire pour camoufler un headband, un bandeau. Et ça, c'est bien en attendant d'aller chez le coiffeur ou de s'équiper des produits qu'on vous a montrés dans ce crash test. Pourquoi vous avez de l'huile d'argan? Parce que l'huile d'argan, c'est miraculeux. Parce que bien évidemment, l'huile d'argan va aller enracine, hydrater votre cheveu, rebooster votre cuir chevelu. Il y a des oméga 3, des oméga 9 et ça ralentit la repousse des cheveux blancs. Attends, c'est top ça. Ça sent bon? Bah oui, ça sent l'huile d'argan. Et c'est naturel, bien évidemment. Plein de solutions, tout sur le site de France2.fr. Génial, merci beaucoup. Pascal, petit cadeau. Eh bien, on trouvera tout sur le site de France2.fr.